T'as une 13 de TV 120 alpha, le CSU détecte une rixe entre trois individus à la station de métro de l'hôtel de ville. TV 130 alpha de TN13, priorité, refus d'obtempérer une Dacia Sandero de couleur noire, immatriculée dans le 75. Deux individus à bord, on se trouve actuellement sur l'autoroute, près de la plage du Prado, je répète, plage du Prado. TV 130 alpha de TN13, actuellement sur un AVP, un PL impliqué, le chauffeur choqué, une victime au sol, arrivée du BMPM et du médecin du SAMU sur les lieux. TN13 de TM 420 alpha, vous allez vous transporter SVP au niveau de l'hôpital de la Timone. Demande de motard pour une escorte médicale. TN13 pour Bac Alpha, vous allez vous rendre sur l'impasse Roselyne pour une levée de doute dans un appartement. On aurait une alarme silencieuse. Bac Alpha pour TN13, on se rend sur les lieux. Coup de feu, demande de renfort. TN13 de TV 130 alpha concernant le véhicule type Dacia Sandero. Le véhicule nous a été déclaré volé depuis 3 jours. TV 130 alpha de TN13, on a retrouvé la Dacia abandonnée et accidentée rue Breteuil. Je répète, rue Breteuil, en bas de Notre-Dame de la Garde, aucun individu aux alentours. Bonjour tout le monde, ici Fireman Modding. Alors avant de commencer cette vidéo, si vous aimez la vidéo, pensez à vous abonner, à la liker, à la partager autour de vous et surtout laissez-nous un petit pouce bleu et un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez comme nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va être en police municipale et on va patrouiller avec le 5008, un véhicule de Alkis avec une texture de urgence mode à SPDFR. Allez, je vais dire à mes collègues de rentrer. On sort avec le call-out United Call-out. Allez, on va patrouiller un peu. Oula. Allez, il paraît aller un peu vite, hein, à mon goût. Est-ce qu'il va respecter le stop? Attention all units in the Spoochie Canal. Allez, hop. Par contre, ce que je vais faire. Nickel, allez, c'est bon, on est bon. On est paré. Allez, hop. On y va, apparemment il y aura une activité suspecte devant un distributeur de billets. Apparemment c'est les caméras qui nous l'ont signalé. Alors, peut-être quelqu'un qui essaye de voler de l'argent à quelqu'un en le distrayant pendant qu'il lui retire de l'argent et à son insu il lui pique l'argent. Allez, hop, on va faire attention. Allez, il est à droite. Ok, je vais couper les bleus pour être sûr que la personne ne nous voit pas. Je fais attention aux voitures. Ok, là. Oula,
On bouge, on bouge. Il est où? Alors, t'es obligé de repiquer. Nice. Il m'a touché. Du coup, je vais appeler une ambulance. Ambulance. Assistance required in the Spoochie Canal. Hop, je vais récupérer l'arme. Je vais appeler aussi un officier de police judiciaire pour qu'il vienne constater les faits et pour faire son rapport. Les pompiers se présentent. Alors, si le camion voulait bouger, hop, par contre ce que je vais faire, ils vont peut-être me donner un kit de soins, on va dire de réparer mes blessures, merci les gars. Par contre ce que je vais faire, c'est que je vais mettre leur camion. Attends, pousse-toi, ah pousse-toi, j'ai même pas donné de, hop, de nom à mes collègues. Allez. On va l'appeler John et Gérard. Allez, John et Gérard. Alors, la personne est morte. Ok. Il donne des soins à mes collègues aussi qui s'est fait toucher lui aussi. Bon, du coup. Hop, il va falloir appeler la scientifique. Qu'est-ce qu'ils font les la police là? Ils sont bloqués quelque part ou quoi? Il y a qu'ils ont du mal à arriver. We have a civilian requiring assistance. Bon, on va les faire venir un peu plus vite. Ah voilà, nickel, la scientifique est là, l'OPJ est ici. Allez, on va lui expliquer les faits. Salut, bon, on est arrivé sur le lieu, on a constaté que le monsieur était en train de faire des choses bizarres sur le distributeur. Dès notre arrivée, il a commencé déjà à faire feu sur nous. Du coup, on s'est mis à couvert et on était obligé de faire feu sur lui pour notre sécurité, la sécurité des autres. Ok. On te laisse faire le rapport. Allez, bonne journée à toi. Allez, du coup, c'est bon pour nous. Hop. Mes collègues vont me rejoindre. Hop. Les pompiers. Eux repartent sur une intervention. Hop. On va aller par là-bas, hein, du coup. Hop. Si quelqu'un sait comment faire pour ne plus avoir de lag dans le jeu sans altérer bien sûr la qualité du jeu, c'est sûr que si il faut avoir une qualité dégueulasse de jeu pour plus avoir de lag, ça m'intéresse pas. J'ai eu des commentaires comme quoi y avait trop de lag, alors je m'en excuse, je n'y suis pour rien. Pourtant j'ai un PC qui est quand même... assez
qui est quand même pas mal, il est bien optimisé. Sauf que je sais pas, depuis quelques temps ça fait beaucoup de lag. Allez, du coup, on va aller patrouiller un peu sur la... au niveau de la... de quoi on s'appelle de... du bord de mer. C'est quand même assez calme à part le ce début de, d'intervention. Sinon, c'est ça là, assez calme. Allez, ça à nous. Ouais, je sais pas ce qui se passe. J'ai même pas d'inter comme d'habitude là qui se lance où il faut aller chercher un mec tout seul. Même bizarre. We have a civilian requiring assistance. Senora Freeway, non, ça fait un peu loin quand même. Ça fait du côté de Istres ça. On peut aller aussi loin quand même. Officer in need of assistance. Oh. Acknowledge. On our way. Hello, you. We are en route. Air support en route. Herb located in pursuit. Apparemment, il est là, donc il doit être sur cette autoroute. Alors peut-être qu'il faudra, il faudra peut-être pouvoir faire un. Alors, il est où? D'accord, non. Ouais, il va là. Mais on pourrait peut-être le prendre en revers, ça dépend où c'est qu'il va. Si je le prends là, je vais devoir le courir après. S'il a l'air. On va essayer d'aller par là. Allez. Attention, le camion, vous avez pas vu. Allez, on va faire attention à la circulation. Peut-être qu'il va venir vers nous. On va voir. Nickel, bon. Voilà, lui faire un peu la chasse. Mais bon. J'ai augmenté un peu la puissance du 5008, donc je pense qu'on devrait pouvoir le rattraper assez vite. Allez, il y a déjà, il y a un hélicoptère. De la gendarmerie sur lui, une autre patrouille. On vient là prêter en main forte l'équipage. Nickel, on y est presque. Donc j'ai l'impression que c'est un équipage de police qui est derrière lui. Alors. On va aller les aider parce qu'on part direction Istres. Suspect is getting off the freeway. Watch out. Oula. Allez, du coup, hop, ce que je vais faire. Faire attention au moteur. Needed. Allez,
Mince. Du coup, ce que je vais faire, hop, pour pas que ça dure trop longtemps. Assistance needed. Nickel, la gendarmerie a placé les herses. Le suspect a tapé, le suspect a tapé. Yes, le mec est en train de se barrer. Allez, remontez les gars, remontez. Allez. On va essayer de lui faire barrage. Allez, plus un geste, plus un geste. Nickel. Eh bah ben, il nous aura fait Allez du coup, hop. Avant que tous mes collègues ne partent. Les policiers, ils partaient déjà par là-bas. Il avait un pistolet, 10 sachets de drogue. Ouais, donc c'était le type pour transporter ça. C'était pas très malin de prendre une voiture de police quand même. Bon, allez, c'est mes collègues gendarmes du coup qui vont s'en charger. Assistance required in, allez, du coup, on va faire remorquer le véhicule. Ah, d'accord, ils se reviennent. Hop. Flophead, assistance required in Davis Courts. On rentre. Du coup. We've got a Grand Theft Auto in progress. Non, bah, là, je vais pas prendre par ici parce que j'ai essayé de repartir. Hop là. J'ai essayé de repartir vers Martigues. Vers Marseille, je veux dire. Et on se retrouve là-bas. Bon, on se retrouve ici. Du coup, on va patrouiller par là. Ah, allez. Hop, allez patrouiller. Allez, du coup, il est 4h. Va être la sortie des écoles. Alors, est-ce que... Ouais. J'avais oublié de dire au dispatch qu'on était de nouveau à Marseille, qu'on était dispo pour les inter. Qu'est-ce qui se passe? Oula. Oui. Ouais. Allez. Le monsieur va s'arrêter sur le côté. Yes. Allez. Hop. Il n'a pas l'air de comprendre. Ça l'a pris, moi. J'ai pas l'impression que... Est-ce qu'il va s'arrêter? Voilà. Allez. Hop, le monsieur va s'arrêter sur le côté. Allez, nickel. Du coup, hop. C'est celui-là. Non. Voilà, nickel.
Allez. Bonjour, c'est la police municipale. Vous savez pourquoi on vous arrête? Alors, présentez-moi les documents du véhicule, assurance, permis, carte grise, s'il vous plaît. Donc, tout est nickel. Et par contre, je me sens une forte odeur de drogue. Donc, est-ce que vous avez consommé la drogue récemment, monsieur? Oui, pour mon traitement médical. Ah, ok, bah, mais c'est... Je pense pas que ce soit vraiment autorisé. Et vous venez d'où, là? Qu'est-ce qu'ils font, là? Oh, il est en train de me défoncer la bagnole, là. D'où venez-vous? Je viens de l'hôpital. Ok. Mais... Il va me défoncer. Stop! Police! Oh. Allez. Du coup, on reprend. Hop. Question. Et vous alliez où? Je vais au magasin. D'accord. Alors, je vais vous faire un test salivaire. Vous frottez ce goupillon dans la bouche jusqu'à ce que je vous dise stop. Oula, ouais, c'est plus que pour du médical. Là, vous avez peut-être positif à la marijuana, cocaïne et l'héroïne. Donc, monsieur, vous allez sortir du véhicule. Hop. Vous allez me suivre. Wow, hold up. Alors suivez-moi monsieur, on va se mettre en sécurité. Allez, venez ici. Hop. Du coup le monsieur là. Lui. Hop. Je vais lui déplacer son véhicule. Voilà, on va lui mettre dans le bon sens. Allez, hop. Le mec. Mais pourquoi ils tous ils sont à rouler dans le mauvais sens? Allez, le monsieur. Allez. Du coup, on repart avec le monsieur. Je vais vous faire un test d'alcoolémie aussi. Pour être sûr, mon collègue va vous faire le test d'alcoolémie. Thanks. Donc il a rien. Donc monsieur, je vais vous faire votre rapport. Il faut attendre que ça vienne. C'est quand ça veut. Voilà. Alors. Hop. Bon, on voit pas sa tête, mais c'est lui. En plus, il a le permis suspendu, donc le monsieur n'a pas le droit de... Alors... circulation. Conduite... responsable d'un accident. Conduit alors que son permis est suspendu. Hop. Conduit sous l'influence de stupéfiants. Alors, je pense que c'est bon. On va lui foutre pareil. Circulation. Alors, conduit avec son permis suspendu. Ça, c'est pour les amendes. Euh,
possession. Non, il possédait pas, il était. Délit de fuite quand même. Conduit sous l'influence de drogue. Ok, voilà. On lui retient que ça. Pour... Allez, du coup. Hop, le monsieur déjà il prend 1464 € d'amende, pas de prison. Il a son permis qui est suspendu pour 15 mois de plus. Je sais pas pour combien de temps il était suspendu son permis, mais il prend plus 1813 € d'amende. Allez, bon, du coup, voici votre amende, monsieur. Par contre, du coup, votre passager. Hop. Bon, on a eu un petit crash. Bon, on va pas en faire parce qu'on l'a déjà fait ça. Bon, du coup, on reprend là. J'essaie de recaler l'heure à peu près où on s'était arrêté. Du coup, la personne ben, est repartie en tant que passager et son passager en tant que conducteur. Allez, j'espère qu'on va voir. Ah, mais il n'y a que ça. C'est pas vrai. J'espère qu'il va pas y avoir que ça comme inter. All units, assault with a deadly weapon in, par contre, ce que j'ai oublié de me faire avant que on aille sur ce truc là, parce que là c'est un mec qui est surarmé. Alors, on l'avait déjà fait sur une précédente vidéo. On avait fait appel au raid. Je sais pas si vous vous en rappelez, je vous mettrai le lien de la vidéo en haut à droite. En plus ça se passe à côté du casino. Donc potentiellement dangereux, s'il y a quand même du monde qui est là. Allez, il est où le mec? D'accord, il est là-bas. Donc moi, déjà direct. Assistance required in Vinewood Hills. Hop, pas que nous, la police municipale. On n'est pas équipé en mitrailleuse. Il est passé où là? On prend la fuite. Il va vers l'autoroute. Il cherche pas à nous tirer dessus. Voilà, j'ai bien cru qu'il allait nous tirer dessus. Allez, pour l'instant, il ne cherche pas à nous tirer dessus. C'est super dangereux là. Je vais traverser. Allez, ça serait bien qu'il y ait une équipe de gendarmerie qui se porte à ma hauteur pour pouvoir m'aider. C'est le mec, apparemment, il n'est pas décidé à quitter l'autoroute. Il arrive. Mes collègues sont là. Il commence à faire nuit en plus. Il pouvait pas se faire percuter là un peu? Est-ce qu'il va essayer de monter? Oula.
Alors, j'ai essayé d'appeler un autre équipage. Assistance needed in Vinewood Hills. Copy that, we're in the vicinity. Nickel. Dispatch, we got eyes on the target, moving to engage. Code 8, code 8, need backup. Mais punaise, il y a trop de monde là. Il est en train de tirer. Ah, punaise. Nickel, il sera. Allez. Je récupère l'arme. Heureusement qu'il nous a pas tiré dessus avec, parce que franchement... Nickel. Allez. Mon collègue va lui faire une palpation. Oula. D'accord, il y a une policière qui s'est fait... Une gendarme. Un gendarme qui s'est fait toucher. Alors, hop, ce que je vais faire. Hop, merci. Non, je vais remonter. Équiper le... Nickel. Par contre, je vais le ramener vers le bord pour qu'on puisse lui faire les premiers soins. Hop. Allez. Je vais faire traîner le corps. Ah. You piece of crap. Oh, shit. Allez. Attention all units. A drug deal in progress. Du coup, on repart vers le casino. Bah, du coup, comme il y a eu un petit crash, j'ai plus de collègues. Le gendarme, bah, du coup, a été pris en charge par les pompiers. J'espère que ces jours ne sont plus en danger. Allez, on va aller sur un lieu un peu plus sécu pour procéder à la palpation et appeler une équipe de gendarmerie qui puisse le ramener, les gendarmerie ou police, je sais pas qui c'est qui viendra. Allez, du coup. Donc il avait encore un pistolet, de la drogue sur lui. Ok. Allez, du coup j'appelle une équipe de police pour venir le chercher. Assistance required in Vinewood Racetrack. Voilà. D'accord, je sais pas ce qu'ils foutent là-bas. Ok, ils arrivent. Allez, on va prendre. Attention all units, a civilian requiring assistance. Nickel. Salut, bon. Je sais pas si tu as dû entendre sur les zones hein, ce qui s'est passé. Ah, c'est ce mec-là. Allez, bon, du coup, pour nous, ben, c'est une fin de vidéo, une fin inter. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner, à la liker, à la partager autour de vous. Et surtout, laissez-nous un petit pouce bleu et un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez comme nouvelle vidéo. À bientôt.